Nous sommes ici devant le Café des Deux Moulins, au cœur de Montmartre, à Paris. Il y a 16 ans, le film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » qui a été tourné ici a rendu cette brasserie célèbre dans le monde entier. Tous les ans, il y a des milliers de touristes qui rendent visite ici et aujourd'hui, les deux réalisateurs du film, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, sont revenus dans le quartier avec leur première exposition en France. On aurait pu avoir l'impression d'être dans un marché de bus, ou un centre des objets trouvés, ou plutôt un laboratoire de chimie. Vous savez, dans les expositions, il faut souvent lire beaucoup. Et là, regardez, il n'y a rien à lire. Juste à regarder, pas d'explication. Cet objet s'appelle Irvine, ce n'est pas un objet, c'est un être humain, c'est un personnage, mais qui est réduit à l'essence de la conscience. Des objets fétiches dans de nombreux films Jeunet Caro sont présentés, ainsi que des storyboards et des dessins. Avec une charge symbolique et mythologique très forte, ces objets constituent un monde où le rêve enfantin côtoie le conte noir et la réalité prend une dimension poétique. Ça, c'est la vitrine consacrée à Amélie Poulain. Vous avez tous les objets, le nain de jardin, bon, évidemment. Vous avez toute l'histoire, c'est-à-dire toutes les scènes d'Amélie Poulain sont reconstituées là-dedans. Ça, c'est la boîte. Si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor. Jean-Pierre Jeunet, Jean-Marc Caro sont deux réalisateurs qui racontent des histoires. Une fois que le film est terminé, on reste, on est retenu à cette histoire par les personnages, par les lieux. Vous prenez Amélie Poulain, c'est pas Audrey Tautou, c'est Amélie, on se rappelle d'Amélie. C'est un lieu, c'est Montmartre, c'est des objets, c'est la bicyclette qui descend les escaliers de Montmartre, c'est le nain de jardin, c'est les Polaroïdes. 20 ans après, on se souvient de tous ces objets. Ces objets sont imaginés, dessinés et ensuite fabriqués par Jeunet et Caro avant d'être mis en scène. Véritables autodidactes, ils ont commencé leur carrière en réalisant des films d'animation où ils ont pris l'habitude de tout faire de manière artisanale. Le fait de créer toutes les pièces, tous les décors, tout de A à Z, calculer la lumière, tout ça, il n'y en a plus beaucoup des réalisateurs qui sont méticuleux comme ça et je pense qu'il faut mettre vraiment ça en avance. Fantastique, absurde, ultra coloré, certains qualifient leur cinéma de carte postale et d'autres appellent le cabinet de curiosité. Un style, certes, bien distinct du cinéma traditionnel français. Moi j'ai l'impression qu'un artiste doit avoir un regard sur le monde. Reproduire la réalité, on a toujours dit dans nos interviews communes, c'est aussi intéressant que faire des photocopies pour nous. Marc disait, c'est comme si vous ouvrez la fenêtre et vous filmez ce qu'il y a dans la rue, autant faire des documentaires à ce moment-là. Mais c'est notre conception, on n'a aucun mépris pour ce genre de cinéma. Mais nous, on ne se reconnaît pas là-dedans, on ne prend pas notre plaisir là-dedans, on prend notre plaisir en recréant des univers. Des univers singuliers qui touchent pourtant un public large. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain reste l'un des plus grands succès cinématographiques en langue française avec plus de 23 millions d'entrées dans le monde. Wei Yutian, CGTN, Paris.